Bonjour les collègues, un petit tuto rapide pour euh, aller sur euh, le CNED, pour faire une classe virtuelle. Donc, bah, il suffit d'aller sur ma classe à la maison, ma classe à la maison collège. Vous allez euh, créer un mot de passe avec votre adresse académique. Hop, donc moi je vais me connecter puisque j'en ai déjà un. Et donc ensuite, là, vous avez donc euh, l'accès pour les, les cours qui sont déjà prêts, euh, préparés par le CNED. Mais vous, vous allez aller sur classe virtuelle. Il suffit de cliquer et vous allez créer une classe virtuelle. Et ça va vous donner, vous voyez ici, euh, un lien modérateur et le lien participant envoyé aux élèves. Donc vous allez tout simplement ensuite après sélectionner, faire un petit clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et là, vous avez directement du coup votre session à vous qui se lance. Donc vous allez autoriser après votre micro, vous allez autoriser. Hein, donc l'idéal ce serait de se munir soit d'un petit micro, soit d'un casque. Vous allez pouvoir autoriser. Hop, voilà, donc là vous pouvez parler. Là, vous pouvez lancer la vidéo. Donc vous autorisez votre webcam, votre vidéo si vous en avez une. Voilà, donc là, vous êtes bien en train de vous enregistrer. Vous partagez la vidéo et donc là vous êtes visible. Alors euh, ensuite, pour que les élèves puissent se connecter, bah, vous allez tout simplement copier le lien, leur envoyer en message sur la messagerie ProNote par exemple, et ils ont qu'à cliquer dessus pour vous rejoindre directement à l'ordite à partir du moment où vous, vous serez connecté. Donc ce que vous allez utiliser, hein, c'est donc. Euh, le petit panneau à droite hein, pour euh, pour accéder aux différentes options donc dans les paramètres vous allez pouvoir régler ce qui va être important c'est les paramètres de la session c'est-à-dire ce que peuvent faire euh, les élèves donc si vous voulez qu'ils puissent intervenir euh, vous leur dites de partager euh, qu'ils peuvent partager l'audio donc là, ils pourront intervenir en parlant alors faut vraiment qu'ils parlent un seul à la fois donc euh, vous devez leur demander si vous faites ça euh, de débrancher eux leur partage audio, et de le faire qu'une fois qu'ils ont demandé la parole et que vous les avez autorisés. Partager la vidéo éventuellement, mais ça va pas être tout à fait nécessaire, surtout s'ils sont nombreux, ça risque de saturer. Euh, et surtout, bah publiez les messages dans le chat, puisque c'est ce qui va être le plus pratique. Hein, c'est ils vont pouvoir passer par le chat pour éventuellement poser des questions, donner des réponses, intervenir, etc. Donc évidemment, bien leur rappeler euh, d'utiliser le chat à bon escient euh, pour euh, partager de l'information, répondre aux questions, poser des questions et pas pour autre chose. Voilà. Et donc ce sera visible par vous et par les autres. Donc c'est un moyen pratique pour interagir. Donc ce qui va être utile, ça va être de partager le, le tableau blanc. Euh, donc, alors soit il n'y a que vous qui l'utilisez, et euh, donc vous pouvez taper hein, directement dessus. Et donc normalement ils voient tous les, les réponses. Il y avait hein, voilà, juste une élève qui ne le voyait pas sur son téléphone, mais sinon tout le monde pouvait le voir. Alors sinon ils peuvent eux aussi, si vous leur donnez l'autorisation dans les paramètres de la session, euh, voilà, dessiné sur le tableau, euh, bon, attention, parce que après, euh, ça peut poser problème, donc sinon, ben, vous, vous leur enlevez l'autorisation, il n'y a que vous qui pouvez taper les réponses qui sont visibles par tout le monde, par exemple. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, et c'est assez facile à prendre en main, et euh, voilà, ils sont contents d'avoir, de pouvoir vous voir pour, pour travailler ensemble, hein, ça les bien. Donc, ben, je vous souhaite une bonne continuation, et puis, euh, j'espère que vous allez tous bien. Allez, au revoir et bon courage